La plus obscure des âmes, Sargon est au plus profond du Mont-Caf. Il doit y rencontrer la plus obscure des âmes. Alors, des profondeurs, on a libéré un accès au niveau du port noyé. Et là, nous sommes dans le gouffre des sables sans fin. Il va falloir descendre encore. Encore une fois, une entrée en matière très sympatoche. Ah, c'est marrant comment ça nous ralentit. Quel enfoiré, putain! J'ai pas compris, là, il y a une flèche qui m'a envoyé. C'était violent. Ouais, je sais toujours pas d'où elle vient. Merde, ah. C'est un peu comme les fleurs en fait, ça. Non, je peux pas. Ah oui, d'accord, c'est de. Fallait que je descende. Okay. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, quoique, c'est pas grave. Ça me redonne un peu de vie, on va pas plonger dessus. Attention que ça ne me touche pas. Bon, c'est pas grave. Et c'est casse-pied, sans déconner. Putain. Puis alors, le temps qu'on réapparaisse, le truc, bien sûr, il a le temps de revenir. My god. Ok, 1, 2. Ça réapparaît trop tôt, l'autre. Faut créer un décalage, mais... Eh, ça marche. Ça marche mieux. My god. Attention.
sauvegardons déjà notre progression, on verra pour le reste après. Ah, là, c'est pas mal, ça. Ouais, trouvons notre arbre. Comme ça, il peut nous arriver les bricoles qu'on veut. Bien, de retour dans la game. J'hallucine, putain, ça nous pique un peu de vie, je veux bien, mais... Oula. Oh là là, c'est quand même casse-pied. Il pourrait nous faire revenir, mais pas si loin. Ni par même plus savoir où on veut aller, tellement il y en a. Des fois j'ai l'impression de jouer à... C'était Mister Meat Boy, le petit bonhomme de chair, là, où la moindre erreur nous fait tout recommencer. Mon dieu que c'est pas drôle. Yes! On l'a fait. Arbre pas loin. Tu es sûr de toi, Sargon? Peu importe. Si cette créature... Ajdaa. Si Ajdaa peut m'offrir une seconde chance pour sauver Hassan, alors je dois y aller. Aucun mortel n'est jamais venu ici. Vas-y seulement si tu en es certain.
de voyage. Tu m'as fait peur. Petit bonhomme qui parle. Dès qu'on coupe le faisceau, ça... Ouais, pas de bol. Hein. Je vais me faire écraser. Alors, mais... Là où ils sont sympas, c'est qu'on repart pas trop loin quand même. L'un des pires passages du jeu. Sincèrement, il y a vraiment des fois, je me demande ce qu'ils ont dans le crâne de faire des trucs aussi punitifs dans tous les sens. C'est vraiment, mais alors vraiment dommage. Celui-là, il était chaud. Franchement, le fait qu'ils foutent des picots partout, c'est... C'est vraiment pas fun, hein. Quand même des passages qui sont pas très marrants hein, à faire, à refaire, franchement. Je trouve que y a une accumulation des situations pour nous baiser la gueule qui est vraiment, mais vraiment pas cool. Hein. Je parle même pas de la difficulté, parce que au-delà de la difficulté, c'est le fait de nous tuer au moins 3-4 fois avant de pouvoir à peu près voir ce qu'il faut faire. Quoi. C'est juste punitif, et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle.
Alors, le deuxième bandeau. Oula. Oula. Ah ouais, ça se reconstruit derrière. Oula. Putain. J'ai pas bien vu où est-ce qu'il fallait que j'aille, d'accord. Parce que là, inutile de dire que quand on a le gros mille pattes au cul, on n'a pas trop le temps d'analyser. Et... ah oui, d'accord, c'est lui qui me fait le passage. Ils sont pas t- oh merde. On peut passer juste à côté d'eux, ça passe. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, pas complètement. Hein. Oh. Alors, est-ce qu'on se rapproche de notre truc ou pas? Ah non, il y a un Xerxes. Nice. Pas simple, mais quand même plus rigolo celui-là. Bon, on peut saluer la richesse quand même des situations et des gameplays qu'on nous impose. Ça c'est sympa, mais que ce soit pas toujours autant punitif. Pourquoi je... ah. C'est ouvert.
ça pardonne pas. Hein. On va se mettre à un clone, ça peut aider. Alors ça, on peut les récupérer et les renvoyer, donc on va pas se gêner. On la balance. Alors là, il va nous donner un coup de queue. Et si on l'esquive et qu'on fait un contre, il y a moyen de lui faire une super attaque. Sinon, c'est l'inverse, c'est nous qui la prenons. C'est passé. Yes, c'est passé. Deux fois. Ah, les bouboules. Nice. Je sais pas si ça va lui donner le coup de grâce. On l'a eu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tous deux de sang royal. L'un perd la couronne, l'autre dévore un dieu. Je suis là pour sauver un prince. Ah oui ? Laisse-moi t'aider. Cherche les quatre gardiens célestes. Invoque-les pour qu'ils t'offrent un instant dans l'infini de l'espace et du temps. Choisis bien, petit. Sadevis est le plus proche. C'est le gardien des cieux du sud. Bien, on a terminé avec ça. Prochaine mission, ça sera les gardiens célestes.